Nous pouvons partir en vacances, alors plus ou moins en vacances. Ce sont les pipes de ligne, les contrôleurs aériens, les ingénieurs. Comment et où sont-ils formés? Sophie s'est posé la question et elle s'est rendue à l'école nationale de vacances, visite guidée. L'ENAC a été créée pour rassembler... L'ENAC est la seule école en France à former des contrôleurs aériens. Le pourcentage de femmes dans le métier de RRR augmente d'année en année. On arrive aujourd'hui à près de 5%. Les gens que nous formons font carcar dans l'aviation. Partout. Dans les tours de crawl pour les crawlers, dans les centres de crawl également. Nous, à l'ENAC, on travaille sur des micro-dirs, donc des dirs de petite taille. Rassembler en une espace, école, espace, kiff, espace, fait, espace, partie. On va avoir à résoudre des problèmes de réglementation par rapport aux ports. Donc tout ça, c'est très intéressant pour les ports et aussi pour les différents ports de l'école qui vont pouvoir travailler sur un projet compte. Ce projet drôle nous amène à crawler avec tout le personnel de l'école. Alors si vous vous succédez, voici le site internet sur lequel vous pouvez vous succédez. Merci Sophie. De rien. On va enchaîner maintenant avec le site de port et Grégoire Tournon qui nous...